Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans l'émission Paul. Équipe Écho des Arts, pas de chômage pour nous capables de porter pour vous résumer le week-end. Que ce soit pour nous parler de Ventignati Livre, L'Enfer au Paradis des écrivains Jackson Joseph, nous pourrons parler autour de l'agence Fabulous qui t'a fêté 14 l'année. Plus d'autres informations tout de suite après pause là. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 PM sur la télé Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30-1h45 AM, 7h30-7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Nous tournons après pause là. Écrivain Jackson Joseph est organisé dans dimanche 5 juin dans Pétionville, Ventignati, dernier Evely qui gagne pour titre L'Enfer au Paradis. Un livre qui explique différents problèmes pays d'Haïti a fait face dans dernier temps ça yo, tant qu'au insécurité avec la viche. D'après explication OTA, il déplorait malgré toute belle richesse pays a possédé, habitants liyo pas qu'à vivre bien. En côté dans micro Ketia Isarak avec Jean-Eli l'adresse. L'Enfer au Paradis. Nous faisons des interprétations diverses, mais en réalité, je présente Haïti comme un paradis initial. Paradis, bon, l'espace géographique déjà. Paradis dans le sens que, ici en Haïti, nous mettons en été, nous y a chaleur, mais nous n'allons pas mourir de chaud. Tu es d'accord? La chaleur ne nous tuera pas. En Haïti, nous mettons en saison froid, nous n'allons pas mourir de froid. C'est ce que je dis aux gens. Parce que nous avons un espace côté tout est équilibré. Ça ne va jamais aller à l'extrême pour nous mal, pour nous mourir, comme cela se passe dans d'autres pays, à travers le monde en Occident, notamment les canicules, etc. Les dieux capturés, les chaleurs capturés, etc. Il n'y a pas ça en Haïti. Mais il n'y a, y a pas beaucoup de pays au monde aussi où on trouve Somatunim par exemple, où on trouve Bassambleu, où on trouve les côtes des Arcanins, où on trouve la pointe ouest à l'île de la Tortue, où on trouve par exemple les lavages, etc. Tous ces espaces, ces lieux touristiques extraordinaires que nous avons, ce sont ces lieux qui font d'Haïti ce paradis dont je parle dans ce livre. Mais c'est un paradis où s'installe un enfer aujourd'hui, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est l'enfer de la corruption, pratiquement l'enfer de kidnapping que nous vivons aujourd'hui, qui fait peur à tout le monde. L'enfer de l'insécurité généralisée, l'enfer de l'irresponsabilité, l'enfer de la passivité de toute la population, de nous autres jeunes, parce que nous ne faisons pas assez, nous n'assumons pas assez nos responsabilités face à ce qui se passe aujourd'hui, face à l'inefficacité de nos dirigeants. Donc c'est cela que je décris dans ce livre. Pourquoi on doit le lire? Déjà, c'est parce qu'en lisant l'Enfer au Paradis, on verra ce que l'on a soi-même comme responsabilité dans ce qui se passe. Yon l'autre bord, Augustin Nelson ak Emmanuel Jacquet qui te vin si pote Ventignati si la, profite di ki sa livre sa a représenté pour yo et lance yon appel by chaque citoyen pour nous mettre tête nous ensemble pour nous capable sortir pays ya dans situation liée ya. Et yon profite tout mande autorité yo pour yon prendre responsabilité yo. Toujours dans le micro, Ketia Isarak ak Jean-Eli l'adresse. Présentement là, c'est pour moi appuyer yon collègue, yon ami qui fait yon publication d'un ouvrage assez intéressant, L'Enfer au Paradis, qui analyse la situation à vivre aujourd'hui, qui mettait en relief aussi tout le potentiel pays à gagner, toute capacité que nous gagnons dans le pays, et que malheureusement nous n'avons pas encadré la capacité ça pour nous permettre que petit pays à vivre bien la donne. Et que aujourd'hui, d'après le titre qui est très évocateur, ou est que nous organiser nous pour nous faire espace ça qui était un paradis tourner en l'enfer. Je m'invite tout lecteur yo à seul pas seulement Lily mais Lily intégrer idée qu'il a dans yo pour capable façonner propre idée par yo pour qui gens que nous capable faire émerger en nouvelle Haïti avec une nouvelle conviction pour nous capable prendre pays nous en charge. Insécurité a handicapé tout fonctionnement société à net. Mais le secteur qui est plus victime, non, c'est le secteur éducatif là, parce que on prend pile zone côté que les gens ne sont pas à l'école. Et même dans la zone côté où ils sont capables à l'école là,
éduquer, apprentissage, demander un environnement. Si mon a besoin, un environnement serein qui permet de mettre la condition pour lui développer savoir, pour lui être capable d'apprendre. Si je un message d'applancer, c'est un message pour une prise de conscience. Une prise de conscience côté nous avons un espace terre. Tant que l'auteur a dit qu'il était capable de paradis, mais nous transformer en contraire là. Et que si nous prenons conscience, nous tous ces frères, nous toutes ces soeurs, nous avons rien de différence. Mais différence pas signifie que nous obligés en conflit une avec l'autre. Nous sommes capables de vivre ensemble harmonieusement malgré nos différences. Nos différences devraient être des richesses et non pas des barrières qui divisent. Mais je dis à ces pays, nous toutes, ça veut dire que dans le passé, nous devons faire des erreurs. Et je dis à me penser que nous avons besoin pour nous tout de suite. Je dis à erreur passée, erreur présent, donc son série de erreurs qui permettent que nous tous nous disons nous que on nous corrige ça ensemble, on nous corrige ce qui est fait dans le passé, on nous corrige ça qui est fait dans le présent pour nous joindre une solution. Et ces capacités, ça, je dis à dirigeants de gagner, capacité pour mobiliser. Mobiliser les gens qui sont qui parlent, mobiliser les gens. Qui pas même science avec ces capacités ça aujourd'hui à nos besoins. Nous besoin un monde qui est capable de mobiliser mon yo. Parce que mon yo là, ça qui fait richesse son pays, c'est vraiment pas belle plage, belle bagaille. Ça qui fait richesse son pays, c'est moun. Donc des pour des capacités pour rassembler ensemble de moun qui est important ou bien ensemble de moun qui ont science, qui ont vérité sur pays, qui gain on l'idée pour sauver pays ça, moi c'est ça qui est important. Fabulous Model Agency célébré 14 l'année existence li week-end qui s'est passé à dans Pétionville dans occasion anniversaire plusieurs autres agences te rejoignent initiative si là. On suit un reportage à Kezia Isarac et Jean-Eli l'adresse. Quelques dizaines monde te réunis pour venir supporter agence Mankinasa qui c'est Fabulous Model Agency qui t'a fêté 14 l'année existence li. Plusieurs jeunes créateurs et jeunes mannequins te répondre présent pour venir supporter agence ça tant que Micheline Création, BRTL Collection, Sia Collection pour ne citer ça seulement. Augustin Michelet tout le monde connaît son anti sax, te répondre présent tout pour animer public là. Dans la salle, tu as plusieurs jeunes femmes et jeunes garçons qui t'ont défilé et puis présenté plusieurs styles d'habillement pour la soirée. Organisateur, César Aderson fait connaître l'objectif de l'agence Mankinasa, c'est pour former jeunes dans la société dans plusieurs domaines, spécialement dans la cause de mode dans le pays d'Haïti. Jeune créateur ça exprimer satisfaction dans cadre activité si là. Les fait connait Fabulous Model Agency mettait déjà plusieurs jeunes sous béton en capitale pays a. Organisateur a profité lancer un appel by autorité concernée pour valoriser jeunes femmes et jeunes garçons dans société a. Et puis prend bon gens mesi contre phénomène insécurité ça pour permettre citoyens yo vivre avec la paix sur le territoire national là. Fabulous Model Agency, c'est une agence de mannequinat que j'ai créée depuis en mois de mai, 9 mai pour précisément 2008. Donc, so, nous avons fêté 14 ans. Et 14 ans, ça, c'est 14 ans que nous avons fait, que nous avons formé des jeunes filles, nous avons encadré et nous avons eu des supports que en pile, comité, agence, n'a jamais offert aux jeunes. Ça veut dire que Fabulous Model Agency, ce n'est pas seulement une agence de mannequinat, mais son école liée, son institution. Nous instruisons les jeunes des cours d'anglais, des cours de protocole, savoir-vivre, étiquette, cours de danse, cours mannequinat. Et même sport, nous offrons, mesdames et messieurs, pour gérer sexy. C'est ça que Fabulous. À 14 ans, ça a représenté un gros bagage pour nous parce que la route n'est pas facile. Bagay était vraiment difficile, nous jouons en pile difficulté pendant 14 ans ça yo, qui t'a supposé faire me décourager à rapport de situation pays, situation encadrement, comme yo dit responsable yo. Et plus tout, c'est parce que moun pa valoriser la mode ou bien mannequinat en Haïti. Fabulous réaliser un paquet de bagay, majorité Miss Haïti.
Miss International, Miss World, sorti dans Fabulous, Miss Haïti Caraïbes, Miss Haïti Univers, et même un gros artiste qui a fait hit kounya là qui c'est DJ Queen et dans Fabulous li sorti tout. Whatever qui talent gen la caillou Fabulous et do exposé pour qu'a joindre promotion avec valeur que le mérite. Well, premièrement nous t'aimé pour autorité concernée yo, penser avec jeune yo. Parce que c'est les jeunes qui ont venu pays. Hein? Et nous avons prendre responsabilité. Yo. Parce que si on a vivre dans le pays, les jeunes n'ont pas d'encadrement, les jeunes n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de certains fonctionnements pour gérer, pour faire pendant qu'ils vivent dans le pays. Il y a un pile de choses qu'ils pas réaliser. Quelques jeunes créateurs qui ont participé à l'activité ont exprimé satisfaction yo, et puis expliqué qui sa mode là représenté pour eux. Tant qu'au responsable SIA collection an, par bon côté parle, te présenté Rad Carabella. D'après ça, il dit, dans l'idée pour valoriser kilti haïtienne là. Mon Félix Lycéus, Karim Model, yon lot jeune créateur profite lancer un mot d'encouragement. Bay jeune qui n'a causé mode là en Haïti. Bon, me représenter comme designer dans activité à moi présenter Rad Carabella avec purement et pour l'africain et puis me gagne un Rad avec lin. Avec peinture. Style ça que ça veut dire pour moi, il veut dire que retourner avec culture nous. Retourner avec culture nous parce que y a des gens qui a humilié culture nous même veulent retourner avec. Ça veut dire pour montrer valeur culture nous gagne à travers même toile nous gagne ancien toile nous te qu'on travaille côté toile Carabella qui a fait tout l'autre radnet vraiment satisfait de l'activité agent manqué yo. Défilé me féliciter Karim Model en pile pour travail. Tout le monde qui est dans mode là pas découragé. Parce que puis devant, ben c'est sauvé à Wap Cabrialisé. Précisément, je voulais dire un paquet de bagages, puisque nous c'est Carré Model. Donc Fabulous, c'est un agence mannequinat qui a fêté 14 ans. Donc nous estimons que c'est très important pour nous balayer le support nous, dans l'activité. Pour moi, la mode, c'est la vie. Parce que avec mode, la vie a plus de sens. Parce que dites tout si vous ne faites pas. Tout le monde fait partie, tout le monde dans le mode. Parce que dire ou pas sortir avec n'importe qui rade, ça fait partie du mode. Donc, on ne peut pas vivre en dehors du mode. Donc, le mode veut dire la vie pour moi, sincèrement. Bien que c'est un petit genre difficile, mais avec le temps, la finit par évoluer. Parce que si on remarque qu'on y a plus de monde qui a la couture, pas laisser tomber. C'est très important pour qu'on ait vos tailles et focus. Malgré tout ça, mais c'est qu'on a tête tout d'abord et qu'on a qui savoir faire avec objectif. Bon côté pa yo, manke yo exprimer satisfaction yo tout ak passion yo genyen pour mode lan. Nan sans ça, yo encourager jeune femme ak jeune garçon toujours koué nan objectif yo. C'était très bien parce que l'on a fou bagay ou remè. C'était très bien. M'gen un an, quelques mois. Moi pas trop focus sur ça mon am di, juste à suivre rêve moi, ça m'remè m'a fait ça m'remè avec tout cœur. C'est passion. Un grand mannequin, c'est ça me voulait, un grand mannequin reconnu internationalement. À peine 6 mois. Oui, jusqu'à présent, très satisfaite. OK, message pour jeune yo, c'est faire ça que rêve, pas quitter rêve gaspiller. Tout ça t'a rêve, faire essayer. N'a me rappelé, en Haïti, causer mode pas valoriser gens ça t'a doyé. Ça pas empêcher une quantité monde toujours pratiquer et puis chercher moyen pour arriver loin avec. C'est dans objectif ça, Fabulous Model Agency organiser activité si là, yon manye pour valoriser secteur ça dans société haïtienne là, sin ka kwè responsable yo. Merci d'être toujours été fidèle à l'émission Écho des Arts. Nous bon rendez-vous yon l'autre. Restez branchés télévision innovante là.